arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Les gars, petit pas, c'est Braco, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo BO5, les gars. BO5 avec Leslie. Donc, cette personne hein, qui est extrêmement forte au 2.6. On va voir qui est le meilleur parce qu'elle est très forte cochon. Moi, je suis très fort cimetière. Et évidemment, cimetière counter cochon. Donc, on va voir ça. Avant que la vidéo commence, les gars, très très important, abonnez-vous. Un petit pouce bleu si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Un petit commentaire pour le référencement, tout ça. Et si vous voulez voir la chaîne de Leslie, c'est dans la description, premier lien. Et puis voilà, c'est parti, je demande le petit 1v1, et je sais pas sur quoi je suis parti. Et c'est reparti pour la première game contre Leslie. Du coup, je suis parti sur un petit pick Abrisham. Ok, bon. C'est une petite Vovo, tranquillement. On va voir ce qu'elle joue, hein, c'est... Enfin, 2.6, hein, c'est relou, ça. Je suis pas fan du 2.6, hein, j'ai pas voulu mytho, là. Relou un peu, allez. Ok, l'armée de squelettes. Armée de squelettes, bûche, qu'est-ce que ça peut être cette merde? Pas de double fuse, s'il vous plaît. Bon, c'est du lockbait, évidemment, sinon c'est pas fun. Bon, gros match-up pour elle. Ok, bon, ça. Oh, en plus, c'est du lockbait. Attends. Ah, ça peut être du molasse clone. Non, non, bah non, garde un squelette, quoi? Oula! Garde un squelette. Ah, du mortier, d'accord. Ah, je suis coupé, je peux y être du roi, j'aurais dû penser. Oh my bad. Ok, on va mettre le petit fantôme. Ouah, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bon, je pense qu'il y a du PK dedans, à mon avis. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu de PK. On va mettre un archer haut pour pas qu'il y ait de boule de feu. Ouais, si elle aura la boule de feu là. Voilà, ok, bon, je préfère mettre comme ça, très bien. Ça m'arrange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste partir PK en fait. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les gars? Aidez-moi. Ah, vas-y, j'assume les dégâts. Comme ça, je peux push. Qu'est-ce qui m'a sorti là? Aïe 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 aïe. La catastrophe. On va mettre pression des deux côtés. On va mettre un poison ici pour pas d'armes de skate value. Ah, bien joué de sa part, mais là malheureusement, ouais. Ok, non, en fait elle a bien joué, j'ai rien dit. Bon, c'est relou, Arkix, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, mais c'est relou de ouf ça, attendez, on va mettre l'archer haut. Enfin, une fois que c'est la boule de feu sans aucune value. Ok, là je pars comme ça. Et là on va pré-shot le mortier. Exactement ce que je voulais. Bon, le seul problème, c'est que je vais devoir assumer quelques coups de mortier. Là, j'ai pas trop le choix. Vas-y, un petit fantôme au pont, tranquille. Ok, on va mettre un petit zap là. On va mettre un petit poison assez... Là, je pense que c'est bien le poison. Là. Allez, les coups de poison. Ok, le pré-shot... ok, voilà. Ouais, je sais pas si la mosquette était bien là. Ouais, je suis pas fan de l'armée. Bon, faut faire gaffe quand même. Mortier kick, c'est chiant sa mère ça. Ok. Hop. Bon, ça va tuer l'arc kick, c'est déjà ça. On va essayer de mettre une pression constante. Hein. On va essayer de mettre une pression constante. Faut pas qu'elle puisse s'installer. Ok, mettre un archer ici vite. Hop. Dommage. Bah écoutez, on va partir en PK, et comme je sais que j'ai dans tous les cas ma Vovo... Ok, c'est bien joué de sa part, ça. Ok, mets le poison, tant pis la value, fuck la value. Ok, bah là, le but, ça va être de mettre un autobus, hein, écoutez. Je vois pas d'autre solution pour passer. Allez, c'est parti. On commence. Je vais mettre un archer là. Pas mal, le fantôme qui va les connecter, déjà, c'est une bonne nouvelle. Là, on va continuer à spam, je pense que ça peut être pas mal, là, on met de bonne pression. La Vovo qui va être pas mal, là, aussi. Ok, là, on a un bon zap, on a raté un peu le zap, mais c'est pas grave. L'archer qui met très bon dommage, hein, ça, c'est cool. Bah, écoutez, on va repartir un peu PK à droite, mais assez haut. Hop.
Sinon, on a l'archer là. On va aller mettre l'archer magique d'ailleurs. Oh, ok. Voilà le genre. Hop. Ok, en tous les cas là, on va aller mettre la daronne. Simplement. L'archer un peu raté. Enfin, le zap un peu raté de ma part, mais c'est pas trop grave. Là, on a double PK. Là, ça devient intéressant, mais. Là, ça devient intéressant. Parce que là on va tout simplement mettre un autobus de l'espace-temps, ça c'est moi qui vous le dis là, l'autobus de l'espace-temps il est maintenant tout de suite. Oh le bélier qui peut peut-être aller connecter, on va mettre un PK opposé. On continue à garder une pression constante. Hein. On garde la pression, on garde la pression. Non. 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 Oh j'ai trop de mal, elle a trop bien joué. J'ai fait de la merde, j'aurais dû mettre un poison. Ah, pourquoi je réfléchis pas là, putain. En plus, je me suis dit, faut que je poison, et en fait, je pensais qu'il mettait 10 secondes de plus. Et 10 secondes de plus, j'aurais le temps de la win. Et à la fin, il y avait trop de pression. Bon, malheureusement, je me suis fait défoncer. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme... Ah, écoutez, ça, je pense, ça, je le vois bien, ça. Ah, yes, ça bug toujours. Allez, on se retrouve pour la prochaine game. Ok, c'est parti, deuxième game. Allez, good luck. Ok, on va commencer par un petit fusil squelette tranquillement. Ah non, pas de 2.6. Oh putain. Ouais, voilà, 2.6, on risque de se faire péter le cul, hein, je vous le dis. Ok, boule de feu. Ouais, don't take bait, hein, écoutez. Même si je pense pas que ça marche. Jamais. Il est pire gobelin. Ok, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, 2.6, je sais pas si on a un bon match. Bon, non, bon match, je suis con. Elle m'a un peu pris pour un bleu là. Ok, bon, évidemment, à un moment. Ok, bon, la bûche un peu panique là, mais c'est pas grave. Il va mettre une petite armée squelette là. Alors là, je suppose. Et va mettre boule de feu. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Approche cher. Ok, ça va faire... Ok, ça met un petit coup de gobelin. C'est pas mal pour l'instant, on a l'avantage. Le seul problème, c'est la défense. Après, on va prendre un coup de cochon. Bon. Cette game va être complexe. On va pas se mytho. Cette game va être complexe. On passe mytho, c'est la sauce. Bon. Ok, on va mettre la petite Valkyrie ici tranquillement. Ah ouais, j'ai vraiment qu'il prend ce pont là. Oh, le pré-shot qui était quasiment réussi. Le pré-shot qui était quasiment réussi. Putain, carrément, pas du tout. Quasiment réussi. A chaque fois, ça me fait un value, donc je continue à spam. Bon là je suppose qu'elle va pré-shot boule de feu. Oh dommage. Je l'avais pas. Sinon je l'aurais clairement joué. Et là je sais que je peux pas trop faire quelque chose. On va continuer à mettre une pression avec une feu gobelin. Ok, boule de feu. Il n'y a plus de bûche, ok, on va essayer d'aller. Allez, allez. Oh merde. Oh le gobelin sacane s'est éclaté. Parfait. Bon là on va mettre la Valkyrie en plus. Allez, la bombe explose. Aïe. Non, pas deux. Oh, imagine je prends deux coups sur ça là, honte. Concentré, hein. Excusez-moi les gars, j'essaie de la gagner. Je suis obligé d'armer squelette là, sinon je prends trop cher. Ok, ça a mis des dégâts, ça c'est cool. Oh. La fraîche. Ok, ça nous met un tout petit peu derrière. Non, oh, je prends le coup, aïe. Ouais, aïe, 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 aïe. Merde, je crois que j'ai un tout petit peu trop tôt mon fieu squelette. Non, 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 ok, nickel, ça. J'ai pas mis trop tôt. On va réessayer, écoutez, on va réessayer le bait, je suis pas sûr que ça marche, mais vas-y, on va réessayer.
Par contre, c'est un peu une honte là, ça. Ok, mettre l'arme squelette là. Ok, le beau gun de glace, et après c'est la mode, sa gueule. Et là, c'est la merde. Mais écoutez, là, on va assumer deux coups de cochon. 3. Oh, ça, c'est une honte un peu. Enfin, c'était un bien joué de sa part. Ok. Ah non, dommage. Je pensais avoir un free shot, mais non. Ouais, faut faire gaffe quand même. Ok, là on a une... Oh, bâtard. Non ! Ouais, c'est un match compliqué. Hein. Là, j'ai pris un grand round counter. Un peu dommage, hein. Un peu dommage. Bon, là, les gars, on est obligé de jouer cimetière. Hein. Là, j'ai pas le choix. Je vais devoir jouer cimetière. Le problème, c'est que ça va être prévisible. J'ai envie de prendre... Attends, qu'est-ce qu'il compte cimetière ? Molos. Là, je prendrais qui counter Molos. J'ai envie de reprendre ça. Non, ouf, surtout pas. Bah non, moi là ça coûte pas. Oh, attendez, on va tenter. On va voir ce que ça donne. Bon bah, GGL 2-0, je me fais défoncer. Sur tout le niveau 5, je me fais défoncer. Hein. Là, moi je fasse la remontada du siècle. C'est pas terminé, hein, mais à moins que je fasse la remontada du siècle. Ouais. Là, attendez, mon premier match-up. Qu'est-ce que c'est ça? J'aurais dû la win 10 fois, celle-là par contre. J'aurais dû la win 10 fois. Voilà, on se retrouve pour la prochaine game. Ok, c'est parti, dernière game. Allez, good luck. Ah, Denis qui donne le smile. Ok, là les gars, ça rigole plus là. Là, je vous le dis, je perds pas ce BO, c'est moi. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah, mais c'est des cochons. Oh non, putain. C'est le cochon mineur de Ruru là, putain. Ça. Ok, bon, allez, ça part. Du coup, il n'y a pas de boule de feu, il n'y a pas de gros sort. Ah si, il y a une boule de feu. Il n'y a pas de séisme. Je crois qu'il n'y a pas de séisme, il y a une boule de feu. Ça. Du coup, j'avais bien call. Bon, du coup, ça m'arrange. Bon, ça, c'est chiant. Vas-y, tant pis, je vais assumer mon coup. Un coup, hein, pas plus, hein. Oh, mais je prends deux coups. Ah ouais, je suis con. Bah ouais, je suis stupide à faire ça aussi. Ouais, bah, je laisse un Anubis tout seul, je suis con. Deux coups de Valkyrie. Oh, vas-y, je prends plus. Oh, vas-y, j'avais trop bien joué, je le sais, j'ai franchi les skates, je savais qu'il y avait de la skate comme ça. Ah, du coup, je vais me mettre dans la sauce gratos là. Ah, ouais, là. Ok, bon, forcément, ok, on met le sur ces glaces là, tranquille. Malheureusement, j'ai une boule de feu, mais j'ai pas le choix, hein, écoutez. Si je pars bouliste, elle part cochon. La logique des choses. Du coup, pas bouliste. Du coup, pas bouliste maintenant. Ok, normalement, on prend qu'un coup. Et là, c'est le moment de push, hein, écoutez, j'ai pas le choix, là, il faut que je push. Ok, c'est bien joué. On va quand même gel par contre. Ça fasse bien chier au final. Quand même, c'est le but. Ok, on prend un petit coup, ça c'est cool. Ah, c'est vrai que la MG meurt quand même. Ah, nickel. Ok, je dois être à chaque fois ici, j'ai pas le choix. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que là, je peux m'installer parce que maintenant que j'ai ça, c'est cool ça. Ok. C'est une bonne nouvelle parce que là, regardez, la Valkyrie elle tank et je m'en bats les couilles parce que c'est ce que je voulais. La Valkyrie qui tank. Après, c'est que là en fait, y'a plus rien là, y'a plus de troupes. On a toujours le même placement donc ça va, ça change pas. Elle va repartir sur le map, on va essayer de s'installer. Le problème, c'est son mineur qui gratte. En fait, je me dis heureusement, je connais le deck là parce que sans connaître le deck, ça aurait été la sauce. Hein. Je vais mettre sur le pont. En fait, elle a des trop bonnes boules de feu à chaque fois. Là, elle a plus de boules de feu. Si le sorcier glace meurt, comme je suis trop bien. Ah, là, je suis trop bien, les gars. Là, je pêche avec ça, c'est sûr. Là, ouais, on fait comme ça. Ça, on joue le plus tôt possible. Allez, hop. Et là, c'est pas mal. Parce que là, on va essayer de tout reculer au max.
Et là peut-être le D2 qui va connecter. D2 qui connecte, ça c'est pas mal. D2 qui connecte, ça c'est vraiment bien. Je veux dire, si je prends un coup là, je me suicide, hein, vraiment. Allez, petit coup du Wiz là. Ok, nickel. D'ailleurs, c'est un truc qui me fait peur, c'est son mineur. Après, shot le mineur. Et là, faut que je défende. Je défends le cochon sans... Et là, son mineur, en fait, je peux rien faire contre son mineur, c'est insupportable. Nickel. C'est peut-être le moment là, c'est peut-être le moment de pêche les gars. On voit qu'elle a l'habitude au deck cochon. Hein. Ça se voit. Là c'est pas son premier deck cochon qu'elle joue. Et je peux rien faire encore une fois. Hein. Un truc de ouf ça quand même. Hein. Ouais, je peux rien faire. Je pouvais rien faire, hein. Je pouvais rien faire. Alors vraiment, j'ai essayé de mieux le jouer possible, je pouvais rien faire. Ouais, bah GG, hein. Je demande à faire un dernier game et voilà. Les gars, c'est parti pour la quatrième game ou dernière game, je sais pas encore. On va voir si on fait tout le BO ou pas. Ça peut être intéressant de faire tout le BO, même si je me suis fait poutrer. On va partir sur un deck un peu moins skill, moi, pas Smito. On va pas Smito, on passe sur le deck un peu moins skill, là, maintenant. Ah non, frère, putain. J'ai vraiment pas de chance, hein, par contre, genre, vraiment. Là, je crois que j'ai pris, bah, en fait, j'ai dit un match que je gagne, c'est le PK Bridge Spam. Ok, bon, bah, ça part, hein. Allez, protège, logique. Là, c'est avec une bonne Kiri au pont, quand même. Est-ce qu'on peut pas essayer flèche là, regardez comme ça, allez, hop. Non. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, mets les barbares. Bon, là j'ai un bon matchup, hein, je pense. Hein. C'est pas encore. Là c'est que là c'est Valkyrie, là. Donc on met le ballon opposé, je pense. Hop. Ah, passe pour la roquette là. Dis pour la... Elle a plus ce temps là. Normalement. Il y a la surface tornade. Ouais. Elle a mis mon squelette, je pense. Hop. Ok, c'est pas mal là, on est bien. Là, au moment où j'ai parti de molasse, ça va partir cochon, c'est une certitude. Donc, on va attendre le x2 tout simplement. Ce Sugarn est vraiment bien là. Ok, nickel, elle part pas maintenant, donc ça c'est clean. Enfin, elle part, elle attend pas le x2, donc ça c'est bon. Là, je vais pouvoir partir Molos. Allez, hop. Ça part. Parfait, le petit Momo là qui va faire du bien. Mon but c'est clairement d'aller prendre la tour là. On va pas se le cacher. En plus, elle a plus sa Valkyrie, donc là, j'ai pu mettre mon mineur là. Et là, je sais qu'elle va mettre ses gobelins, c'est une certitude, voilà. C'est sûr. Du coup, là, on va pouvoir se mettre ça là. Oh, elle défend trop bien. Deuxième bourreau, ou grosse erreur, je pense. Hein. Double bourreau, là. Elle va mettre une roquette, je pense. Je pense qu'elle va devoir roquette. Hein. Ouais, elle prend un coup. Deux coups. Aïe, aïe, aïe. Ok, elle va partir en Momo. En Momo. Oh, putain, j'arrive, je vais gagner. Petit portugais, ouais. La table de beau jeu là, là elle sait qu'elle a le boost, ça sent. Là j'ai juste la full spam comme un gros débile, hein. Molos. On va pas se pitou, on va pas se le cacher, c'est pas ultra skill. Hein. Bon, je sauve l'honneur au moins. Bon. On va voir si on fait une dernière game. Si on fait une dernière game, on se retrouve pour la dernière game. Les gars, c'est parti pour la dernière game, tout simplement. Donc, dans tous les cas, elle a win le BO, elle m'a explosé. Maintenant, c'est à moi d'entrer pour la. Donc, les gars, j'ai pris une petite spéciale, les gars. C'est un deck, un ancien deck méta.
Et on va voir ce que ça donne. Ok, elle rejoue 2.6, je suppose. Ok, elle rejoue 2.6. 2.6, ça peut être compliqué. Si elle joue très bien. On va avoir fait une très bonne game. Hein. Okay, un cycle HB, tranquille. Ok, bon, bah, c'est du ballon, je suppose. Bah écoutez, je sais pas comment défendre, j'ai pas envie de cramer les bombardiers, c'est mes recrues maintenant, donc on va jouer le mineur. On va jouer le Mimi. Ok, elle active la tour du roi. Oh, dommage. Ok, mais elle met évidemment le cochon, elle met les barbares d'élite. Dommage, je sais plus ce qui tape un peu trop tard. Bah écoutez, on va mettre de la pression avec les sapeurs opposés. Ok, roquette, très bien. Ça dit les termes ici. Je vois que ça dit les termes. Ok, bon. Bon. Écoutez, on va attendre. De toute façon, il y a une roquette. C'est vrai qu'il y a une roquette, donc je peux jouer ma machine fond de map, ça c'est cool. Ça c'est une bonne nouvelle, hein. Là quoi pour défendre déjà, j'ai complètement oublié. Elle a un bourreau, c'est vrai. Hein. Elle va bien mettre le mineur en placement de titan. Ah mais c'est, je vois qu'elle est d'accès. Normalement, il y a une princesse de base, mais c'est pas grave. Ok. On va mettre les apis ici. Hop. Et là, c'est pas que j'ai des recrues. Et là, je vous le dis, avec ces phases, ça va faire mal. Hein. Ok, ça part. 4-2. Hop. Bah, juste faire gaffe à la value rockets, mais je suis assez serein pour ça. On va split ça comme ça. On va mettre les petites chebus ici tranquille. On va mettre la machine en mode bien chiante au middle. On va mettre mineur sapeur opposé. Et là, ça va être la sauce pour elle. Hein. Ouais, là, c'est la supra sauce, là, la giga sauce. Là, elle prend double connexion de sapeur, ça fait mal ça. Bah allez, écoute, on va split les apices comme ça. Et je pense qu'on va partir en 3-3. On va partir en 3-3. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais assumer les dommages. Pour pouvoir push. Peut-être la bonne bûche, là. Ok, on prend qu'un coup, ça me va. Un coup, c'est clean. Et là, on va devoir partir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir mineur, là, quand même, pour gratter. Petite boule de feu. Et on va juste laisser, laisser comme c'est. Si on peut peut-être mettre 2-3 coups. Non, ok. Mais attention aux recrues opposées. On va aller split les apis ici tranquillement. Et on va se remettre des recrues ici. Hein. Ok, alors là, très mauvaise roquette, je pense, de sa part. Elle pensait que j'allais mettre des barbares d'élite. Et là, les gars, là, couscoussière. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ok, on va mettre les sapeurs opposés, évidemment. En fait, ce qui est cool, c'est qu'elle a aucun bâtiment, donc elle peut absolument pas arrêter mes push. Ok, ouf. Oh, le mauvais golem de glace, là. Le mauvais golem de glace, et là, je pense que c'est GG sur ça. Attendez, c'est pas terminé. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attention à moi. Hop, les petites recrues ici, tranquillement. Et bûche boule de feu, ça finit, je pense. Je suis pas sûr, mais là, c'est fini, c'est sûr, par contre. Ok, fou. Pas facile les gars, hein. Pas facile, mais j'avais un bon matchup. Enfin, pas si tôt, j'avais un bon matchup, les gars. Elle avait une belle tirée, j'étais fini. Mais voilà. Bon, bah, en tout cas, GG à elle. N'oubliez pas que sa chaîne est en description. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et merci à elle. Et c'était vrai coup. Ciao, ciao.